Dans cette vidéo, on va rejoindre un abonné. Et merci. Tranquille ou quoi? La petite ligne Arrow en passage haut du coup. Ah ouais, t'as une barre. On arrive à la station là, tranquille. De MT-07 sauvage. Perfect. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut mon gars. Ouais. Attends, dis-nous, t'as fait combien de kilomètres gros? 1000 kilomètres en une semaine. Et t'as fait 6 heures de MT. La selle est plus confort. Il est plus grave. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus lourde. T'as encore la différence? Ah, peut-être c'est les suspensions, ouais. T'as entendu un truc, moi? Ouais, je crois qu'il a tapé le... MDR, tu vas faire comment pour rentrer? Eh bien salut tout le monde, c'est GC Prod. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va rejoindre un abonné, Léo. Force à toi frérot, qu'un abonné grave fidèle. Je vois, il est abonné à la chaîne depuis longtemps et tout. Donc normalement il habite pas sur Paris. Il est dans le sud de la France je crois, je suis pas sûr. Et voilà, là il est sur Paris pendant 5 jours. Donc il a une MT-07, il est en jeune permis. Il vient de l'avoir, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, c'est quoi cette fenêtre? Oh là là, il s'est chié dessus. Il est là, le poteau. Aïe aïe aïe, elle est grave. Et merci. Tranquille ou quoi? Eh, je suis désolé pour le retard, hein. Non, je suis tout le temps à l'heure, mais là... Parce qu'on doit speeder, je dois vite le déposer à l'auto-école. À 15h, il doit y être. T'as chicané? Oh, le fou. Ouais, le bruit que ça, hein, quand chicane, hein. Hein? C'est là, la pince, hein. Ouais. Oh, mec, je veux la même bulle. Elle est propre, elle est vraiment propre, moi j'aime bien ce coloris. De base j'aimais pas cette couleur mais au final j'aime bien. Bon du coup les gars, on a récupéré le poteau, on a récupéré l'abonné. On va déposer mon pote à l'auto-école vite fait. Hein? Je sais pas, hein. Petit sabot moteur aussi. Hop. Du coup je reviens à quelle heure? J'étais au courant parce que je sais pas si tu fais 2 heures ou 1 heure. Tu me dis hein, parce que si tu sors au bout d'une heure aussi et qu'on est je sais pas où. Faut juste déposer un colis aussi là. Tu vois là où il y a écrit l'atelier. Je fais ça en 2 spi. Comment t'as cassé le feu derrière? Tu veux passer à la station c'est ça? Je crois que t'es un des seuls mecs que je vois qui a les jantes propres. Parce que tous ceux que je connais qui ont des rails fluo, toujours elles sont noires. T'as 20 000 km? La petite ligne Arrow en passage haut du coup. Bon on va à la station les refs. Bon, place à la baroude. On va essayer de trouver un petit spot pour faire des petites photos sur mon Instagram aussi les refs. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. J'enlève la chicane quand on s'arrête. Ah ouais, tu veux l'enlever? Ouais, je l'ai. Ouais, c'est pas fait. Vas-y, si tu veux. Ah ouais, t'as une barre. Ouais, ça déconne un peu les MT. Ouais, de ouf, on est d'accord. Non mais gros, après quand tu la penches sur la béquille comme ça, quand elle est sur la béquille, c'est pour ça des fois ça passe à 2 et tout, ça bug. Franchement, vraiment propre ce coloris aussi. Hein. Ah, ces clignots, ils sont stylés par contre. Regarde, ils sont rouges. Ah ouais. Moi, j'ai 2 barres, ça va, ça devrait le faire. Oh. Vraiment propre. Oh, comment il envoie de la fumée, mon pote. Je sais pas ce qu'ils sont en train de construire ici. Ouais, c'est sacrément le bordel. Hein. On arrive à la station, là, tranquille. Vraiment belle double sortie là. Waouh, à Krapovic. 1299 manigales. Les jantes rouges là. En gros, je trouve qu'elle fait pas de bruit hein, pour des doubles sorties à croire. Dites-moi en commentaire, mais je trouve qu'elle fait zéro bruit. What the fuck, elle fait un bruit de scooter gros. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit. Hier, j'étais sur le spot habituel et je me suis fait contrôler. Je me suis fait arrêter par la police. J'étais dégoûté. J'ai mangé 100 euros d'amende pour mon feu arrière cassé alors que je l'ai commandé. Et parce qu'on n'a pas le droit d'être sur ce spot apparemment. Du coup maintenant il n'y aura plus de vidéos entraînement etc. Je pourrais plus aller sur ce spot. J'étais vraiment dégoûté, j'avais mis des stories. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce qui s'était passé. Mais bon, c'est la vie. Et j'aurais bien aimé vous faire une vidéo mais j'ai pas pu tout filmer. Enfin ça sert à rien que j'en fasse une vidéo. Bon allez, il va faire son petit plein tranquillou. Tu veux que je te passe la pince? En vrai ça refroidit vite si tu la sors maintenant. De MT-07 sauvage. La petite pince secrète les amis. La chicanerie n'est jamais finie. Toi tu te balades avec le certif du pot ou pas? J'en ai pas. Moi j'ai le certificat d'homologation mon gars. T'aurais dû le garder. Ah il t'a pas donné le vendeur. Oui, tu vas la mettre où? Tu l'as déjà enlevé? Non. T'as jamais enlevé la chicane? Si si. Ah, parce qu'elle est dure à enlever. Hein. Tu veux que je l'enlève? Perfect. Et merci.
Ouais, il y avait du plastique dedans parce que je l'ai mis dans un sac plastique. On va attendre qu'elle refroidisse, tu connais. T'es plein là. Bon, là, double MT déchicané, je pense que c'est plutôt carré. Bon, on fait quoi maintenant? On a un endroit pour faire des photos là. Vas-y. Alors, un endroit pour faire des photos, où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est chaud. Un endroit pour faire des photos, je sais pas moi, on peut aller où? Bon, déjà, on va aller vers là-bas. En vrai, je crois qu'on va aller au ponton des vidéos présentations. Hein. C'est une source sûre là-bas, c'est bien. Ah ouais, c'est pas le même bruit là, bizarrement. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut, mon gars. Là, c'est un MT-07. Je sais pas si tu vois, y a un lac où je fais mes vidéos présentations sur un lac là, tu sais, le ponton. Bah viens, va là. Tu vois la vidéo crash du MT-07? Ouais. Tu reconnais ou pas? Regarde, là. Juste là. Bon voilà, c'est juste là, on va couper les motos parce que c'est pas une zone motorisée. Tu vois le ponton des présentations, il est là-bas, mais je crois qu'il y a des gens donc... Bon du coup les refs, on a fait 2-3 photos, il y a 2-3 photos qui s'affichent à l'écran. Elles sont disponibles sur Instagram, n'hésitez pas à les voir. Attends, dis-nous, t'as fait combien de kilomètres gros? Il est trop chaud. Quasiment 1000. 1000 kilomètres en une semaine. Donc t'es parti d'où? De... à côté de Bordeaux. Ouais. Périgueux. Ouais. Et t'as fait 6 heures de MT. Pour venir à Paris, c'est ça? T'as un mec chaud, hein, franchement. Venir à MT depuis le sud comme ça, là. T'es chaud. Bon, vas-y, les refs, on va s'échanger les bécanes. Bon, c'est la même, hein. En vrai, les gars, son guidon, il est tellement différent du mien. Il est genre grave large. Tiens, il est tout petit, on dirait. Mec, j'ai un mini guidon, hein. Tu vas voir la bulle et tout, les rétros. Ta bulle, j'aime trop. Je veux absolument la même. La selle, elle est plus confort? Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Donc lui aussi il est en bride poignée, il m'a dit, c'est une 2014, la sienne. Ça te fait chelou ou pas? Ça fait pas du tout le même bruit, hein. Il est plus grave. Ouais. On va régler ses rétros quand même parce que ils sont pas réglés à mon niveau. En vrai vraiment stylé, hein, les stickers pas d'origine. Donc dites-vous les gars, de base c'est pas une Night Fluo, c'est une grey gris normale. C'est le mec, il a peint les jantes, il a mis des autocollants fluo et tout. J'ai l'impression elle est beaucoup plus grosse. Genre déjà le guidon là, ça change vraiment tout. Elle est hyper... putain, il a le plein, la chance. J'ai l'impression elle est beaucoup plus lourde. What the fuck, grave bizarre. Elle a vraiment beaucoup plus haute. C'est toujours marrant de voir sa moto d'un point de vue extérieur quand quelqu'un la teste. Par contre ma bulle là, faut vraiment que je la change. Tu trouves qu'elle est plus bruyante ou moins bruyante? C'est différent, c'est plus grave. C'est plus sourd. Ça fait plus bon. Les pneus, ton pneu arrière il glisse. Ouais, t'as des Michelin aussi, hein. Ouais. Après moi c'est vrai que j'ai des très bons pneus Michelin Pilote Road 5. Je les avais bien payés, bon billet. Mais j'en suis super satisfait les gars. Si vous cherchez des pneus Michelin, vraiment au top, hein. Franchement rien à dire. Mec, j'ai l'impression la tienne elle est beaucoup plus haute. Moi la tienne j'ai l'impression elle est basse. Les suspensions, tu sens la différence? Ah peut-être c'est les suspensions, ouais. Le guidon qui fait ça. Le guidon tu penses? Je sais pas si les pneus, le gonflage ou je sais pas. Il est chaud quand même le ref. 6 heures de route pour venir sur Paris mon gars. Il est de Bordeaux, il m'a envoyé un message, il a dit je suis à Paris, c'était chaud qu'on se cave. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe les gars. Ajoutez-moi sur Instagram, je réponds à tout le monde si vous voulez rouler avec moi ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, on va réchanger les motos. Où est-ce qu'on peut aller retrouver une place? T'as pas l'impression elle est plus légère? Il est vraiment plus petit. Mais mec, toi il est gelard. Bah ouais, c'est sûr. Oh mec, il est grave plus en avant. Il est tout petit, regarde, ça te fait bizarre non là? Il te paraît énorme, mec. J'ai l'impression d'avoir une GS. Oh gros, je suis mort. Elle paraît toute petite, mini MT, je suis mort. T'as vu? On dirait qu'elle est grave lourde. C'est trop bizarre. Elle est hyper légère. Les pneus, hein. Les pneus? Ouais, je pense, ça joue, hein. Qu'est-ce qu'il branle, je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas capté le poteau. Wow, je me suis mangé un rouge. Tiens, qui est là? Attends, recule, non? Ouais, ça passe. Non, ça passe pas. Nani? Oh, comment il t'a regardé trop mal, je suis mort. Ah oui, il est grave bizarre l'embrage. Vas-y, bon, on roule encore un peu et... Il met 10 ans. Ça va pas durer longtemps le lavage des roues. Ah gros, je l'ai lavé il y a 3 jours, elle est déjà sale.
A few moments later. Tu fais quoi, poteau? Tu fais quoi? Allez, papy. Bon, il est quelle heure là? Parce que. Oh, je suis un con. Je suis un con. J'ai oublié mon poteau que j'ai déposé à l'auto-école. Putain, ça se trouve, je dois venir le chercher. Mec. Attends, arrête-toi vite fait. Ouais, on se met là. Oula. Mon pot, il a tapé, non? Un truc, ouais. Ouais, je crois qu'il a tapé le. Oh. Pas moi, hein. Il m'a dit j'ai terminé il y a 16 minutes. Merde. Ah, il a dit non, c'est bon, en fait j'ai réussi à négocier une séance. Bon, toi tu vas faire quoi là? Tu rentres maintenant? Hein? Tu veux rentrer maintenant? Je sais pas, moi j'attends un peu et je vais chercher mon pote à l'auto-école dans 30-40 minutes. Y'a pas un endroit, on peut boire un verre ou quoi? Un quoi? Un burn? C'est l'enculé, il accélère. T'as dit quoi? Boire un verre ou quoi? Ah, boire un verre. Bah, au Val d'Europe ici. Mais faut les masques, gros, pour rentrer. J'en ai un, moi. Ah ouais, j'ai pas de masque, hein. Il y a un casino, un espèce de market là-bas, à la gare, si tu veux. Vas-y. Oh là là, il fait chaud. On va se garer là où je t'ai montré. Et là-bas, il y a un petit truc où on peut acheter à boire, si tu veux. Petit RS3. Bon, il est pas super beau. Pas très beau, mais ça reste un RS3. Ouais, mais après faut que j'aille chercher mon pote, faut pas que je tarde. Perfect. On va se mettre là. C'est carré. Je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud aujourd'hui, tout à l'heure il pleuvait. Ouais mec, j'ai 9% d'un gros. C'est tout? Ou tu veux des trucs? C'est carré. Non, au revoir, merci. C'est carré ou pas? Ah gros, en mode cabrioleur. Il y a pas de masque, alors il y a des câbles. Ah gars, il y a la moto, je sais pas. Bon, toi tu vas repartir après là? Ouais, je vais me péter. Ouais, je vais chercher mon pote. Tu mets GPS, mais t'as été dans quoi? Dans un hôtel ou... Ah non, j'étais en famille. Ouais. Vas-y, bah il y a l'autoroute, elle est là-bas de toute façon. Mais t'as pas de support téléphone? Non, pas besoin. What the fuck, MDR, tu vas faire comment pour rentrer? Pourquoi? Pour rentrer, tu vas faire comment sans support? Dans l'intercom. Ah ouais, mais faut être grave concentré sur ce qu'elle dit, hein. C'est grave compliqué à conduire, hein. Mais t'es un ouf. Juste avec, la voix, si elle te dit à droite au dernier moment... Ah pas d'âme, c'est trois fois le tour de la même place. Mais achète un support, mec. Ça coûte super cher. Je sais pas, lui il vaut 50 balles je crois. À droite? Ouais. Vas-y bah je t'ai dit au revoir maintenant mon gars. Vas-y bah. On se tient au jus, c'était cool. Vas-y mon gars. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. C'est une petite barre de tranquillou avec un abonné. Merci à toi d'être venu, d'avoir fait le trajet. Sur ce les gars, c'était chez Prod, prenez soin de vous, bisous partout, équipez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace.